parle de pollution, alors je voulais dire deux mots, je ne peux pas les dire ici. Alors surtout, n'allez pas vous baigner à Biarritz. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que les eaux à Biarritz, que ce soit les eaux usées ou les eaux de pluie, il n'y a qu'un tuyau. Il n'y a qu'un réservoir. Donc tout ce que vous savez qui sort par les WC, etc., et les eaux de pluie, ça va au même endroit. Et quand il pleut, parce qu'ici au Pays Basque, il pleut, il pleut bien, quand les réservoirs sont pleins, eh bien, ils ouvrent les vannes et vous avez la sortie de l'égout sur les plages où tout le monde fait trempette, devant l'hôtel du Palais. Des gens m'ont dit qu'après qu'ils aient ouvert les vannes, ils ramassent les rats morts sur la plage. Voilà. Donc Biarritz, c'est l'immobilier, le béton, pratiquement tous les terrains sont occupés parce qu'il faut faire du pognon en construisant. Ça dure bientôt depuis 150 ans. Et il n'y a pas un centime qui a été investi pour moderniser les égouts. Alors la réponse, c'est ça date de Napoléon III. Eh bien, à l'époque aussi, les routes n'étaient pas goudronnées sous Napoléon III. Il y avait des charrettes, il y avait des chevaux. Et depuis, on a goudronné les routes, on a mis des voitures. Eh bien, les égouts, c'est pareil. Les égouts, il faut les moderniser. Et ce qu'il y a, il n'y a personne qui s'est intéressé pendant 150 ans à l'écologie de Biarritz. Et qui n'a pas investi pour moderniser les égouts. Alors il n'y a pas longtemps, je voyais, ils faisaient les travaux, je me suis approché, je leur ai dit, vous mettez deux tuyaux. Ils m'ont dit, non, on ne met qu'un tuyau. J'ai dit, je me suis précisé, donc les eaux usées et les eaux de pluie vont ensemble. Ils m'ont dit, oui, ça se met ensemble. Donc vous avez Paris, Biarritz, Plage des Rois et Reine des Plages, venez ici respirer le bien air et l'écologie, la richesse de Biarritz, c'est l'océan, c'est la baignade, et voilà. Donc c'est la loi du fric qui prédomine. Et alors ça, je me le suis fait raconter par plusieurs garros, et ça se dit sous cap. Et surtout, il ne faut pas le répéter. Et parce que bien sûr, il faut que les touristes arrivent, et il y a le tiroir caisse, il faut remplir la caisse.